Ok les gars, je vais vous montrer dans cette game pourquoi j'ai menti à Fortnite en disant que le fusil d'assaut guerrier d'Arès était entre guillemets comme il faut. Pour eux, comme il faut, c'est ni trop fort ni trop faible. Pour moi, comme il faut, c'est juste comme il faut, une bonne arme méta comme on les aime. Allez, allons chercher à Brawler's Battleground. Oui, un snipe, mais il n'y a pas de viseur par contre. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Bah non, du coup. Non, du coup. C'est pas intéressant. Il allait fouiller là-bas, ouais. Il a pas pris ça. Incroyable, mais vrai. Bon allez, j'ai pas envie d'attendre 30 ans. Ouais, mais je peux avoir de balles en fait, ça utilise les mêmes munitions, c'est vrai. On va dire que j'aurai le loisir de me looter après. C'est un peu de mun là quand même parce que on est tout faiblard en termes de mun. Et ça c'est hors de question bien évidemment. Ça va être déjà mieux là. Oui, il y a un mec là-bas. Alors, est-ce que le bunker va s'ouvrir? Oh oui!
Il nous faudrait un petit snipe. Et ben voilà, quand on demande gentiment, on est remercié. Ouais, super lourd. Et il va passer dans le tunnel. Ah non, il est mort. Oh oui! Oh mais oui! Il me donne de ses armes. Régale là le petit copain! Oh c'est beau! Ouais, je rigole pas hein, quand je dis que... Je rigole pas quand je dis que c'est les deux meilleures armes du chapitre 5. Ok, je me casse. C'est 1v1. J'ai des médaillons. Oh, je le vois. Let's go! Le fusil guerrier d'Arès, le fusil d'assaut guerrier d'Arès qui carry le top 1! Cette arme, elle est comme il faut, comme le dit Fortnite. Let's go!